Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tant que je suis avec vous. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose une recette extraordinaire. Une recette, on le prépare lorsqu'on est en famille. Une recette qu'on le prépare pour le petit déjeuner comme pour le goûter. Suivez-moi à la cuisine et on va voir les ingrédients ensemble. Et tout d'abord, c'est quoi cette recette? C'est un gâteau à la semoule. Alors, il me faudra 3 verres de semoule moyenne, 2 yaourts nature, 1 orange, 1 citron, 1 verre de sucre, 1 verre d'huile végétale, 4 œufs. Et un sachet de levure de 11 g. Le sucre, j'ai pris qu'un seul verre parce qu'à la fin, on va préparer des sirops. De préférence, il ne faut pas mettre beaucoup de sucre. Maintenant, je prends mon saladier, une râpe, je récupère le zeste et le jus de citron et de l'orange. Et de cette façon, on gagne beaucoup de temps. Une fois mon jus est prêt, j'ajoute une pincée de sel, les 2 yaourts nature, le sucre et je fouette le tout ensemble en ajoutant le reste de mes ingrédients. Et tout à la fin, mon sachet de levure, je continue à mélanger pour que la semoule soit bien moelleuse. Maintenant, mes amis, j'ajoute un peu des graines de sésame. C'est facultatif, c'est pas une obligation, juste pour donner de goût à notre gâteau. On peut remplacer les graines de sésame avec des amandes mixées ou des noix, ça donne de goût aussi. Thank you.
Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je couvre et je le laisse reposer 15 minutes. Après ce temps de 15 minutes, je prends mon moule, je le graisse avec un peu de beurre et j'allume mon four à 180 degrés. Maintenant, je saupoudre mon plateau avec la semoule, un peu de graines de sésame et je verse mon mélange. Et au final, j'ajoute un peu de graines de sésame. J'enfourne mon plateau pour une cuisson entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je prépare mon sirop. Il me faudra un verre d'eau, un verre de sucre. Je mélange les deux ingrédients ensemble et je le mets sur le feu pendant 15 minutes. Voilà, notre gâteau il est prêt. Avant de l'arroser avec le sirop, il faut le piquer avec votre couteau. Voilà, comme vous voyez à la vidéo. Avant de verser ce sirop sur mon gâteau, j'ajoute une cuillère de fleur d'oranger. Une fois j'ai bien arrosé mon gâteau, je le laisse se reposer pendant 15 minutes. Après ces 15 minutes, je vérifie mon gâteau, est-ce qu'il est moelleux ou non. Sinon, j'ajoute à nouveau du sirop. Apparemment, mon gâteau il est un peu sec. Je vais ajouter un peu de sirop, comme la première fois. Un verre de sucre, un verre d'eau. Et on va l'arroser à nouveau. Et je couvre mon gâteau. Je le laisse à côté pendant 15 minutes, comme la première fois, en attendant. À nouveau, je vérifie mon gâteau, il est parfait pour moi. Je ne veux pas qu'il soit trop mou. Mais vous, mes amis, vous pouvez ajouter du sirop si vous souhaitez.
Ce gâteau, il est extraordinaire pour prendre le café ou le thé l'après-midi avec les amis. Il est très bien pour le petit déjeuner. Il est bien pour le goûter pour les enfants. On peut ajouter du Nutella ou du chocolat. On peut ajouter aussi du sucre glace si on souhaite. On peut le laisser comme il est. Il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Mettez la cloche en marche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Melia. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. صحابي وحبيبي اللي تتفرجوا فيا على قناتي كويزين مليا مرحبا بكم الساعة قبل كل شيء الوصفة هذه راهي موجودة على القناة إذا كنت تحبوا تشوفوها من الأول حتى الأخر وتشوفوا التفاصيل متاحها باللغة العربية راهي موجودة ما ثم حتى مشكلة راهي أنا نقدم فيها باللغة الفرنسية فما شكون طلب مني نقدم الوصفة كان باللغة العربية وكهو يعني أنا حبيت نرضيكم الناس كل نحب نقدمها كما تعرفوا أن الفيديوهات متاعي باللغة العربية والفرنسية يعني نحب نرضي الناس كل بالفرنسية أو بالعربي وأنا نحبكم الناس كل إن شاء الله عجبتكم الطريقة وإن شاء الله تجربوها وأنتم ملمومين مع الأصحاب والحبيب وإذا كان حضرتوها وأنتم في رمضان إن شاء الله رمضانكم مبروك كل عام وأنتم حيين بخير إذا كنت تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية بصدر رحب نجاوبكم على أي سؤال تسألوه ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله وإلى اللقاء